C'est la Déglingotive, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau vlog de folie. Un vlog un peu particulier parce que vous l'avez vu. Il y a Monsieur Puss. Nous ne sommes pas là, il est là, il est là, c'est Monsieur Puss. Monsieur Puss, à Kuala Lumpur, en Malaisie. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, si vous ne le connaissez pas, Monsieur Puss, il fait à peu près comme nous, mais sur le Vietnam. Et là, il est venu nous rendre une petite visite, donc c'est plutôt chouette. On lui fait découvrir des petits endroits sympas de Kuala Lumpur et je pense que très prochainement, on ira faire la même au Vietnam. Ah, mais carrément, carrément. Obligé. Bon, donc le programme de la soirée, on est à Kampung Bahru pour tester la nourriture locale malaisienne, malais. Vous savez, Kampung Bahru, c'est cette petite ville, cette petite enclave au pied des tours Petronas. Ils ont gardé leur identité, ils veulent se considérer comme dans l'ancien temps, comme en Malaisie. Et franchement, il y a des petites cabanes, des petites cahutes. On nous a dit qu'ils étaient très riches. Ils sont carrément blindés même. Apparemment, ils font tout pour ne pas construire de building. Et ces terrains ont une valeur juste incroyable parce que évidemment. Plusieurs millions d'euros de. Ah, ça reste à savoir, hein. Ouais. Ringgit, ouais, lui, dollars. Il est en dong, il est en dong lui donc. Certainement pas en dong. Si, il est en dong. Donc voilà, vous êtes au pied, vous voyez là-bas juste au-dessus de nous, la KL Tower. De l'autre côté, là-bas, les Petronas, l'endroit est magique. Allez, c'est parti, on va manger. T'as faim, toi? Ah ouais, trop. Faut que je nourrisse la petite. Ah, j'en peux plus. J'attends qu'une chose, manger. On attaque avec un nasi kerabu. Pour le mamak du jour, on est parti, on est venu manger. Vous l'avez, on est chez Warong Che Sena. Le spot est juste super sympa. Donc, c'est des petits containers, il y a plein de stands. De toutes les sortes. Vraiment, c'est malais, donc c'est tout est halal. Mais il y a une nourriture locale vraiment, vraiment pas chère. J'ai vu des nasi lemak pour 4 ringgit sans rien et il est à 7 ringgit avec le poulet. Bon, en fait, le plus simple, c'est pas de commander, c'est de trouver le stand à qui appartient le bon menu. Et donc ça, c'est un peu chaud. Et du coup, on s'est fait dégager d'en haut. On est arrivé là et là, on a trouvé le stand. Ça s'appelle Didapo. Didapo SZ. Et lui fait le nasi kerabu. So we want nasi kerabu. What is nasi kerabu? Nasi kerabu is the blue rice. Ah, the blue rice. C'est blue du, rice. Du riz bleu. Eat with the coconut. Coconut milk? Yeah, no, coconut milk. Coconut filling. The filling. Filling, ah ouais? Yes. Okay. The blend. The blend, okay. Small pieces. Okay. And put on the top. And the rice, and they give you any fish. It's good, huh? Fish or beef? Beef or curry. What is the best? Which one you prefer? Beef curry. Beef curry? Yeah. Okay, but beef curry. Beef curry. Hein. Boss, il a dit beef curry. Beef curry. Ada curry daging. Makan apa? Nasi kerabu? Daging tak ada. Daging ada? Daging ada. Ah, bagus. Daging, lamb. Ça tout doit daging, le bœuf. Voilà. Beef, hein? Beef, yes. Beef. Tout, beef. Tout nasi kerabu. Tout nasi kerabu daging. Daging. Torong. You can eat spicy? Yes, yes. Okay. A bit, yeah. Tout petit peu spicy, little. Donc il nous expliquait que la spécialité du nasi kerabu, c'était un riz bleu qui était coloré à partir de pétales de fleurs. Bon, c'est ce qu'on a compris, et c'est surtout ce qu'on a lu aussi sur Wikipédia juste après pour confirmer. Avec des œufs salés, des petits légumes, et on l'a pris au bœuf, vous l'avez compris. Ça a l'air pas mal. Et il a expliqué aussi que ça venait de la région de Kelantan, c'est tout au nord-est de la Malaisie. Voilà, team, c'est parti, on va le goûter, ce petit nasi kerabu. J'ai pas encore goûté, ce petit riz bleu là.
un peu étonnant. C'est bon, ouais. Et du coup, ça sent vachement la coco. Ça sent bien la coco. Par contre, la sauce, elle arrache un peu. Là, il y a une petite graine de... On dirait du poisson séché. Ouais, on dirait du poisson séché avec de la coco encore. C'est pas mal du tout, hein. Bon. Le bœuf en Malaisie, c'est jamais des bœufs de ouf. Hein. Les bœufs. Ouais. C'est toujours de la semelle. Hein. Ça, ça n'a pas changé. Mieux vaut prendre le poulet souvent. Hein. Mais le bœuf, ça me rappelle la cantine en troisième. C'était de la... Voilà. Est-ce que tu es d'accord sur le bœuf? Alors le bœuf, j'adore. On dirait du bœuf de Kobe. Peut-être même meilleur. Mais plus version caoutchouteuse. Ouais, mais sinon le riz en lui-même super bon, j'aime bien avoir la langue comme un schtroumpf, j'adore. La langue bleue là. La langue bleue, non, j'ai pas la langue bleue, non, le riz sérieusement super bon. Le bœuf, peut trouver mieux. Et les épices? Les épices pas trop épicées, j'ai juste un chouïa épicé, mais pas dramatique, ça va, ça passe. C'est validé pour un... Je valide 300%. Les Vietnamiens valident? Les Vietnamiens... Ouais, ils valident, les Vietnamiens ils valident. Ils mangent épicé les Vietnamiens? Ils mangent avec la... Comment ça s'appelle? Le Nok Mam, le... la sauce de poisson. Ça c'est épicé ça ou c'est on salé? Peut mettre des épices, on peut mettre des épices dedans, ouais. Et c'est très salé. C'est fort. C'est, ça peut être assez fort. Ouais, voilà. Ok. Bah bon app, chef. Mais bon app, ouais. Mais vous êtes là! J'ai cru que je vous avais perdu. Hein. Ah non. Bon, on découvre en live. Hein. La team découverte en live du Mantao. On monte. Ah ouais! Ah ça pète! Ah là 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 là, on n'est pas déçu. On n'est pas déçu, la team. Team, on n'est pas déçu, le spot il est juste dingue. On l'avait pas mis dans le top 5 des rooftops, mais alors il vaut son pesant de cacahuètes, surtout pourquoi sur la vue pour la Kael Tower qui est juste magnifique. Et là je pense qu'avant de se faire plaisir, vous avez vu la petite piscine juste derrière moi. Je pense que là vous venez vous poser dans l'après-midi vers 14-15h quand il fait chaud. Il y a moyen d'avoir du bon temps mais de folie. Cette petite pépite est juste parfaite pour se reposer. Pour venir un dimanche midi, on peut même manger, ils font des repas. Le spot, il est juste dingue. Est-ce que c'est validé ou quoi? Ouais, franchement, j'ai envie de revenir. Gros spot, ça s'appelle Man Tao. Et je peux vous dire que si vous venez là, vous ne serez pas déçu. C'est beaucoup plus calme que l'hôtel W. Il y a une ambiance un peu de Chine, vraiment, c'est génial. Franchement, j'ai pas les mots. Et ça fait plaisir, après 6 ans, de découvrir encore des petites pépites de ce genre. Bon la team, allez, on enchaîne après cette petite pépite, le Man Tao. Vous le savez, on aime bien les bars cachés pour terminer la soirée en toute intimité. Et on va aller dans un bar que moi je connais, mais que je connais pas. Du coup, on va le laisser galérer, on va le laisser faire le code pour entrer. Déjà, il va trouver le code pour entrer, oula. Je trouve le bar, je trouve le code, on n'a pas gagné là. Et après, bon, le bar ça s'appelle The This Is. Et ça veut dire quoi, le décédé? Le décédé peut-être. En tout cas, c'est un bar un peu gore, c'est sympa. Allez, let's go, je filme l'artiste. Okay. Bon, je pense que t'as vu des gens rentrer. Voilà, t'as trompé. Bon, je pense que...
Donc je pense que c'est cette porte déjà. Ah, déjà on est pas mal. Vas-y garçon, bon alors qu'est-ce qui se passe? T'as trouvé quoi? Oula, casse pas la porte hein. Bah faut faire le code. Ça se fait. Elle peut peut-être faire le code. Finalement. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Je dis merde, qu'est-ce que c'est? Tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que c'était une meuf bourrée. Vas-y. C'était une meuf qui était pas bien bourrée. Oh putain. Bon, le bar il est ultra glauque. Hein. C'est un truc. Je t'avais dit. Ouais. Voilà. Ah waouh, quelle ambiance. Stylé ou quoi? Méga stylé. J'ai adoré la fille à l'entrée. Super mignonne. Top. Hey guys. Hi. Bon la team, on a trouvé l'entrée, enfin il a trouvé l'entrée, bon c'était pas trop dur. C'était pas trop dur. C'est pas le plus compliqué de ta catégorie, hein. Franchement celui de Penang est plus compliqué, l'autre qu'on avait fait à Kuala est plus compliqué aussi. On va en faire d'autres je pense en vlog, parce que c'est cool en soi. Et puis ça va nous permettre de conclure la vidéo tranquillement, on va se poser, on va peut-être vous montrer quand même le cocktail avant. Un petit cocktail obligé. Un petit cocktail parce que là, devant nous, on a quoi devant les yeux? Et devant les yeux, on a ce qui va devenir la plus haute tour d'Asie du Sud-Est. Et alors quand on dit plus haute, c'est pas que d'un peu, hein. Plus de 670 mètres, je crois, de mémoire. C'est pas rien, c'est pas rien. Elle va mettre quand même plus de 220 mètres au Petronas, hein, donc bon. Rien que ça. C'est le concours de celui qui aura la plus grosse en Asie. Tu peux me donner le code Wi-Fi, s'il te plaît? Code Wi-Fi? Pardon. Oula, c'est quoi ça? Code Wi-Fi? Ah. 1, 2, 4, 6, 8. Exactement. Ah non, elle est morte en 1928. 1928. Ouais, le cocktail il est arrivé, le yin et le yang. Yeah. So is it like something like black magic? La magie noire. Yeah. Wow. You have lighter? Lighter, have lighter. We don't smoke. Lighter. Okay, so I have lighter. I burn this. Oh, du chifou. Ah ouais, il blague pas là. Wow. Okay. Ça c'est du cocktail les cocos. Hein. Like this. Wow. Punch five times. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Nice! Put this one. This one. Like this. Okay. Amazing. Wow. Thank you, boss. Hein? Good, hein? Ouais, carrément. Donc là, le cocktail Ying et Yang qui vient d'arriver, il faut d'abord boire le Ying, ensuite le Yang. Évidemment, il y a des mains, tu vas te régaler avec ça, tu vas être pas mal du tout, non? Et moi, le cocktail de psychopathe, le Pity Berson Bitty, là, il a foutu le feu. Magie noire, vaudou et tout ce qui s'ensuit, à mon avis, demain, je suis cané. Bon, voilà la team, c'était la Déglingo Team. En featuring avec Monsieur Puss. Monsieur Puss. Monsieur Puss. Monsieur Puss. En Malaisie, à Kuala Lumpur. C'est un plaisir de faire cette vidéo ensemble. On a passé une bonne soirée. Super sympa. Franchement, très cool. Le dernier petit bar caché pour terminer. J'espère que ça vous a plu. Donc comme toujours, allez vous abonner à la chaîne de Monsieur Puss, évidemment. Vous likez, vous partagez la vidéo en masse. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver. Des bisous. Bye bye. Ciao la team. Bye.